Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce stream où je vais parler tout doucement pendant au moins le début, parce que avec le décalage horaire, l'endormissement du petit, eh ben, il est un peu décalé, et du coup, ben voilà, il nous a fait une tentative d'évasion il n'y a pas très longtemps, je suis pas sûr qu'il dorme encore beaucoup, donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré l'heure en moins. Et donc, merci à vous pour votre présence. Salut Mickey, salut Brainvest, salut Nico Cosmos, salut Aldridae, salut Charivari, bienvenue. Et merci Charivari pour la modération. Bienvenue Devan, bienvenue Sébastien, bienvenue Caradiams, installez-vous. Ce soir, on a pas mal de choses à faire. Puisqu'on va farmer les ressources dont on a besoin pour construire nos serres. Ça va être super cool. De les construire. Par contre, le farm, voilà, ça risque d'être un peu long, mais on a plein de choses à faire, donc il faut le faire. Il faut le faire, ça fait partie du jeu. Hop, j'ai besoin de crafter des trucs. Et salut Joachim, en vrai, c'est pas lui qui est décalé, c'est l'heure. C'est pas faux. Donc j'ai commencé à rassembler les matériaux dont on va avoir besoin. Pour ceux qui verront la rediff sur YouTube, j'ai commencé à le faire un petit peu hors stream, enfin disons pas hors stream mais en pré-stream, c'est-à-dire parfois quand mon petit a du mal à s'endormir, je lance le stream quand même, mais je joue un petit peu sans micro, sans caméra, avec juste le jeu et la musique, ce qui me permet quand même de faire des petites choses, de farmer, de préparer des choses, et voilà, vous êtes au courant que le stream va commencer, mais c'est pas tout de suite. Et ça c'est une phase qui n'apparaît pas, qui n'apparaît pas dans les rediffs, voilà. Moi je la préfère à l'heure d'hiver, il fait jour tellement plus tard le soir. Ah oui, bah ouais. Après on est plus décalé avec le soleil, hein, d'après ce que j'ai compris. Hop. Deux heures de décalage avec la soirée. Oh GG à Joachim. Après tu les as pas perdus, parce que moi franchement les seules allées que j'ai récupérées, je les ai toujours perdues en 10 secondes parce que j'étais allé à Perpète les Oies pour les récupérer. Et le problème c'est qu'après pour qu'elles te suivent c'est l'enfer. Donc je les ai toujours perdues mes allées. Bon, on a pas mal de choses à préparer. Hein. Est-ce que j'ai fait le double? J'essaie de faire le double de ce qu'il me faut en prévision de la deuxième serre qu'on va construire. T'enfermes les originaux et tu pars avec les repros. Ah! D'accord. Allez.
Hop. Il nous en faut 70 et il nous en faut 140. Donc là, je pense que c'est bon. 128, 140. 128, 100, ouais, 138, ouais, c'est bon. Normalement, là, on a tout. Donc ça, c'est bon. On a tout pour les deux. Donc, on a fait les Black Corrupt Metal Plate Slab, les Black Loco Catcher, le Feu de Camp, le Cast Iron Catwalk, Cast Iron Cheat. Donc cette page-là, c'est fait. Chute, terre, fruit tank. Ok, donc chute. Donc, terre, j'ai pas vu combien il en fallait. Il en faut 91, donc 3 stacks, ça devrait suffire. J'ai dit chute, il nous en faut 8. C'est tout? C'est qu'il devait en rester. En vrai, je pense qu'il en faut plus que ça, des chutes. Mais il devait en rester dans le coffre. Chute, donc il nous faut des iron sheet et des lingots de fer. J'en ai encore des lingots de fer et des iron sheet. J'en ai un peu. Hop. Ça devrait suffire, ça. Hop. Fluid tank. Ok. Et après, il y a tout ce qui est frame. On va le faire après, ça. Fluid tank. Donc, il nous faut des copper sheets et des tonneaux. Alors, des tonneaux. Mon royaume pour un tonneau. On peut faire les tonneaux avec ça. Hop, allez, on va faire 6. Et des copper sheets, j'en ai pas assez. On va aller en faire. Ce qui est génial, pour le coup, ce que j'aime bien quand même dans ces phases de farm, c'est de faire fonctionner nos petites usines. Ça, je trouve ça trop cool. Ça me plaît beaucoup de les faire fonctionner. On va pas gâcher du blaze, on va remettre. De toute façon, c'est pas perdu. D'ailleurs, en parlant de petite machine, je pense que ici on a dû produire un petit peu voilà, de steel ingot. C'est toujours bon à voir, on en refera plus tard. Et ici on a dû produire, voilà, on a un peu de teinture noire, un peu de teinture grise. J'en aurais besoin. On peut couper la machine. Hop, ça c'est cool. On produit toujours du... Ah non, on produit pas de neige. Ah c'est coupé. On en est où? On en a plus beaucoup, on va produire un peu de neige. Pendant qu'on est là, autant que ça tourne ici. Tiens, pendant qu'on y est, je vous affiche le planning de la semaine. Planning de la semaine avec une petite pause jeudi parce que j'ai un conseil d'école. Donc jeudi, je rentrerai extrêmement tard. Donc je ne pourrai pas être présent. Hop. Dans la soirée. Donc c'est pour ça que pas de stream. Mais sinon, donc ce soir, on est sur Modécube. Demain soir, on sera sur KSP2, on continuera notre petite base sur Minmus en essayant d'y apporter un rover. Et pourquoi pas peut-être une deuxième... peut-être un deuxième module, je ne sais pas, on verra. Mardi, Modécube, on continuera ce qu'on est en train de faire ce soir. Mercredi, c'est le retour des difficiles aventures. Et oui, Baldriday, et oui, retour des difficiles aventures. Parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait et j'avais envie d'y revenir, donc on en fera. Vendredi, Zelda Breath of the Wild, on continuera notre aventure chez les Gourons. Et je pense qu'on essaiera d'aller sur la deuxième créature divine. Samedi, création de jeu de rôle avec Astrother, on continuera à bosser sur l'IA des PNJ, et puis dimanche, Modécube, voilà. Exactement, Emrinves, les parents rencontrés,
à rencontrer 2-3 Prozac, 8 grands Marnier, et vu leur investissement l'année prochaine, ça ira pas en s'arrangeant, faudra peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place, pour qu'ils restent éveillés en classe. C'est ça, exactement. Vive les Fatal Picard. J'adore. Pas forcément que pour ce morceau, hein, mais... Hop. Donc, nous avons fait les fluides. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Frame. Gazon. On s'en fout de ça. Grey Steel Trapdoor. Ça, par contre, on va le faire tout de suite. On garde les frames pour la fin. Grey Trapdoor, ça doit être celle-là, voilà, Grey Steel Trapdoor. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut des Grey Steel Plating. Pour ça, il faut du Steel Ingot. Est-ce que j'ai du Grey Steel Plating? J'ai du Black Steel Plating. Mais je dois pas avoir du Grey. Une idée en vie pour les DA. Bah, je pense qu'on va continuer le chantier parce que j'ai pas fait beaucoup d'engins de chantier, donc il y a encore du boulot sur le chantier. Il y a encore des véhicules à faire et tout, donc moi j'avais envie de continuer là-dessus. Donc Steel Ingot, hop. Ça se produit plutôt bien. Et ensuite comment on fait le Grey Steel Plating. Ah, j'ai du Steel Plating. Donc attendez. Donc il me faut de la teinture grise. Hop, teinture grise, j'en ai encore un peu. Donc Steel Plating. Grey. Hop. Hop. Ah, et ça coûte cher par contre. Parce qu'il m'en faut combien? J'ai plus. Il m'en faut 58. Donc en gros, il m'en faut 120, quoi. Presque 2 stacks. Ok. Donc il va me falloir plus de Steel Ingot. Donc, zou. Plus de Steel Ingot. Let's do it. Allez, on va en mettre à cuire plein. Parce qu'il me reste encore un peu de fer. On a un peu de marge. Hop. Il me faut du colorant gris. C'est pour ça que j'en ai refait. Donc là j'en ai 64, il m'en faut encore. J'en ai largement assez, ce sera pas perdu. J'en ai fait un peu plus que nécessaire. Grey Valve Handle, il m'en faut 4. Grey Valve Handle. Alors, 3 copper sheets. Ok, donc j'ai bien fait de faire des copper sheets. Andésite alloy, où est-ce que je vais avoir ça? J'en ai un tout petit peu. Un chouïa. Donc j'ai dit qu'il m'en fallait 4.
Gris, grès, concrete, c'est quoi ça? Ok, c'est ça. Donc ça c'est dans le masson, et c'est quoi qu'il faut que je mette? C'est le grey concrete. Du grey concrete. C'est ça. Voilà. Et il m'en faut combien? Parce qu'évidemment j'ai pas retenu combien il m'en fallait. Hop, il est là le masson. Il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Toujours plus. Ça, on peut le reposer. Ah bah j'en ai un peu plus là. Est-ce que ça va suffire? Bah après, de toute façon, il va falloir que je refasse. Pour les autres déclinaisons, je pense. Et pour aussi texturer. Ouais, pour texturer, il va m'en falloir pas mal aussi, donc... Donc là, j'en ai assez pour 1. Mais 84... 80... J'ai dit... 85, ça fait... 170... 170, et là, j'en ai combien là? 128, 160, 192, ouais j'en ai assez remarque, mais pour couvrir j'en aurais besoin de toute façon. Hand crank, ah oui c'est vrai, hand crank. Il nous faut des planches et de l'andésite à l'œil. J'ai toujours sur ma l'andésite à l'œil. Ouais, mais j'en ai plus beaucoup. Ok. Alors, andésite. Est-ce que j'en ai ici de l'andésite à l'œil? Bon, j'ai un peu d'andésite, sinon j'irai rechercher à la machine, mais. J'en ai un petit peu. Des planches. Hop. En voici 6. Hazard green concrete. Ah ouais. Hazard green concrete. J'ai pas du. Ok, j'ai plus de concrete vert. Bizarre. Ah, il n'y a pas le filtre. Ok, donc on va mettre le filtre. Balancer ça. Voilà, pour que ça cure, faut que ça, ça mouille. Ça va mouiller. Si on le sait, ça va mouiller. On a confiance. Ça y est, ça a mouillé. Ah, il n'y a peut-être pas sur le filtre, par contre. Ah, il n'y a peut-être pas sur le filtre. Peut-être ça le problème. Ah, oui.
Et bah voilà, comme ça. Maintenant, il y a sur le filtre. Et comme ça, on a tout ce qu'il nous faut. Hop. Je sais plus combien il en fallait, mais pas autant que ça. Mais après, il m'en faudra pour peindre. Hazard Green Concrete. Ah oui, il m'en fallait que 12. Ok, Item Vault 14. Donc, ça fait 28. Item Vault. C'est un peu cher, ça, je crois, les Item Vault à faire. Item Vault. Oh non, ça va. Il faut des tonneaux et des iron sheets. Ok, et donc il m'en faut 14. Donc ça fait 28. Donc on va prendre les tonneaux. J'ai bientôt plus de bois par contre. J'ai bientôt plus de bois. On m'a dit. Devoir aller chercher du bois. C'est bon, 34. On en a que 7, donc il nous faut plus de metal sheet. Ça veut pas le prendre. Bon, sinon aujourd'hui j'ai un peu bossé sur AstroTerre pendant la sieste du petit, donc j'ai continué à développer l'IA des PNJ et je me suis rendu compte d'un gros problème, résolvable, mais un gros problème que j'avais oublié dans mon grand graphique, vous savez, pour développer l'IA des PNJ, c'est qu'en fait je ne tenais compte que de leur inventaire mais pas de leur équipement. Salut Augustin. Donc du coup, cet après-midi, j'ai implanté la gestion de l'équipement des PNJ et j'ai utilisé, c'était prévu dès le départ, hein, donc c'était conçu dès le départ de cette façon, j'ai implanté le même système que pour gérer l'équipement des alliés et du joueur. Donc ça a été assez facile. Par contre, maintenant, il faut que j'intègre cette gestion dans le... Il faut que j'intègre cette gestion dans le script, et ça j'ai pas eu le temps de le faire. Et puis j'ai commencé à réfléchir, et là ça va pas être simple, j'ai commencé à réfléchir au... Hop. À la façon dont on allait calculer l'intérêt pour un PNJ de faire telle ou telle action, et ça c'est pas simple. Item Vault, c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, on a tout fait. Mechanical Arm, Mechanical Drill, Mechanical Harvester, Mechanical Plug, Metal Bracket. Ok. Ok, alors, Mechanical Arm. Donc. Ouf, ouf. Alors, ça, c'est relou. Il m'en faut combien? Il m'en faut 2, je crois. Ouais, 2, donc il m'en faut 4. Ok, donc il me faut 4 mécanismes. Ouh.
Brass Sheet and Desert Alloy Brass Casing. Est-ce qu'on a du brass ici? Oui, ça c'est bien. Par contre, brass sheet, on n'en a pas. Donc faut en faire. Par contre, on ne met pas tout. Alors, 5 petits trous dentés, 5 grands trous dentés, 5 pépites de fer. Et il faut mettre de la feuille d'or. Feuille d'or, j'imagine que c'est des plaques d'or, comme ça. Copper sheet, ouais, c'est ça. Donc 5 petits trous dentés, 5 grands trous dentés. Donc il me faut 20... Bon, j'ai plus de bois. J'ai plus de bois, là. Voilà, un petit peu. Des shafts aussi. Hop. Donc il me faut 20 petits trous dentés, j'en ai que 12, donc il me faut des shafts. Donc 20 petits trous dentés, et en plus on va avoir des pertes, donc on va en faire 25. Ensuite il me faut 20 grands roues. On va en faire un peu plus, voilà, 25. Ensuite il me faut de l'or. On n'a pas tant que ça de l'or. Hein. Il faut qu'on la fasse fondre. Donc, on dit 20 petits trous, 25 peu. 5 pépites de fer. Il y en a largement assez. Allez. Il y en a un qui est cassé, je crois. Pourquoi ça marche plus? D'accord, c'est que ça a commencé à en faire trop en fait. Merde. Ok, bon. Ok, donc j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. Il y en a un qui est cassé. Et là, cette fois-ci, il manque des petites. J'ai plus de bois. Je dois craft pas mal de choses, Augustin. C'est dans le bouquin que j'ai sur moi, là, tu vas voir. Hop. Pas mal de trucs. Ah, ça marche pas, c'est vrai, avec celle-là. Oh.
C'est vrai que ça marche pas avec ça. Bon, bah j'ai plus de bois. Faut que j'aille en chercher. En même temps, il y en a juste là. Mais celui-là, je vais pas le replanter. Hop, parce que après, il faudrait que j'aille casser des arbres ailleurs en fait. Parce qu'il y a des endroits où je dois raser de la forêt, donc ça serait bien que j'aie. Ah, sauf si c'est du fier, je sais plus. Ce qui est bien, c'est que ça va vite à casser du bois. Ah, je me suis trompé, j'ai fait des grandes. Quel boulet. C'était des petits qu'il fallait. Heureusement que j'avais fait un petit peu de réserve dans Desit. Dans Desit alors, oui. Hop, voilà, c'est pas mal. Voilà, je vais être tranquille sur les cogwheels. Ah, ça y est, j'en ai quelques-uns. Alors, je sais plus combien il m'en faut. Il m'en faut 4. Il m'en faut 4, je crois. Pourquoi il y en a un qui passe avec... Donc ça a pas marché. Hop. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais juste que ça n'a pas marché. Voilà. On en a 5 en rab, ça c'est bien. Ça nous servira peut-être pour d'autres machines. Donc ensuite... Il nous faut des brass casings. Des brass casings. J'en ai 4. Il m'en faut 4. C'est parfait. Et bah j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, en voici 4. Alors voici la liste donc Augustin. Et salut Marinvest. Donc tu vois, il me faut vraiment beaucoup de trucs. Donc Mechanical Drill, il m'en faut 8. Mechanical drill. Ça c'est plus facile à faire, mais il me faut des andésites casing. Est-ce que j'en ai en rare des andésites casing? Oui, un petit peu. Et il me manque. Alors qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque encore ça. Ok. Donc par contre là, pour le coup. Ah bah mais j'ai. Si on peut utiliser ça, je crois.
Donc là, j'en ai déjà 6, 7, 8. Ça suffira. 8. Hop. Ensuite, il nous faut Mechanical Harvester et Mechanical Plug. Harvester. Il me faut quoi? Alors, il me faut des Iron Plates. Et j'en ai plus. Est-ce que j'en ai reposé peut-être tout à l'heure les Iron Plates? Oui, j'en ai. Donc ça devrait être bon. Je crois qu'il en faut plus que ça. Il en fallait combien? Il en faut 5, donc en tout il en faut 10 parce que je multiplie tout par 2. Là j'en ai que 5. Ok, donc je vais manquer l'Andésite Alloy. Donc on va les refaire de l'Andésite Alloy. Ensuite, il me faut deux Mechanical Plus. Parfait. Donc ensuite, il faut un Metal Bracket. 6 Metal Bracket. Metal Bracket. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque des lingots de fer. Des pépites. Hop, voilà, j'en fais plein, comme ça j'en aurai assez. Hop, très bien. Alors ensuite. Beaucoup de choses hein, quand même. Metal Girder. Mais de toute façon c'est pas 21, donc c'est absolument pas perdu. J'en ai fait 64, c'est pas du tout perdu. Ensuite, Metal Warning Door. Alors il me faut une métal d'or. Ok, alors il m'en faut combien des métals? J'imagine qu'il m'en faut 4. Ouais, donc c'est ça, donc en fait en vrai il m'en faut 8. Ok. Donc il me faut des vitres. Grès concrète. J'ai pas regardé combien il en fallait. Oups. Ah, de toute façon, je peux en faire pas mal. Alors, par contre, ça, je vais manquer, je pense. Mosaïque grès concrète. J'en ai pas du tout fait. J'en ai 11.
On va refaire du béton gris. On va faire du béton gris. On va reposer des trucs. Toujours ça. Ah merde, il est blindé. Ah merde, il est blindé. Tout est blindé en fait. Est-ce qu'il en reste dans le coffre? Du coup, comment ça marche? On va couper la machine, elle est blindée. Alors, on va activer la machine à produire du sable. Toi, on va t'enlever, on va te foutre du gris à la place. Toi, on te fout. Ah, c'est bon. Ah bah, t'es blindé ici. Ouais, c'est qu'il manque du sable en fait. Il nous manque du sable. On a quand même assez, mais... donc là, il y a bien le filtre. Ouais, c'est bon, on va produire du béton gris. Ok. De toute façon, le béton gris va nous en falloir pas mal. Je vais aller chercher du sable. Je vais en ramener. Un petit peu, comme ça. C'est le sable qu'on a pris pendant la construction. On en a trouvé pas mal. Non, mais j'en avais plein. J'en avais plein d'étouffés. Donc, c'est du mosaïque qu'il nous faut. Mosaïque. Voilà. De toute façon, après, je pense qu'il en faudra d'autres. Reposer pour l'instant. Pegged gris concrete. Red catch light. Ok, donc le pegged. C'est celui-là. Hop. Hop, cage light. Est-ce qu'on en a pas des. Ah, j'en avais déjà fait de ça. J'en ai refait tout à l'heure. C'est pas grave. Red is dead. Ok, donc j'en ai pas. Donc il m'en faut 8 des cages. Comme ça. Donc colorant rouge, lampe à redstone et fer. Oh oh. Merde. Faut qu'on aille en chercher. Fuck. Faut qu'on aille dans le nether chercher la poudre de glowstone. Au secours. Il est où mon gyrocoptère? Je me demande s'il est pas là-dedans.
Il est où mon gyrocoptère? J'ai plus de gyrocoptère. Bon. On va en crafter un. Comment on fait ça? Alors, il faut des voiles, il faut une hélice. Il faut des coques. Donc il en faut deux. Et maintenant il me faut des voiles. Et les voiles c'est des tapis et des fils. Tapis. Et fils. Just. C'est bon, j'ai pu le faire, mais just. Hein. Ah si ça va, j'avais plein de fils. Moi aussi c'est bon, j'avais plein de fils. Ça va. Donc on va dans les heures. Et on va chercher la glowstone. On a une petite pioche fortune. On va juste espérer pas crever comme un caca dans le nether. On va chercher la glowstone. Mais quel con! C'est pas le bon endroit pour décoller en fait. On va se mettre ailleurs pour décoller. Voilà. What? Non mais... Non c'est nul parce qu'après comment je redécolle? C'est des coups à crever comme un caca ça. Il y a plein de glowstone, mais comment on va l'atteindre? Les squelettes qui vont tirer dessus. Pas besoin de tant de glowstone que ça, hein, mais... Ah. Au secours! Ah, parce que là je suis embêté, là. Comment je l'atteins cette glowstone? Et là il y en a là, c'est pareil, mais elle est au-dessus de la lave. Oh putain. Peut-être ici, ici. Allez. Bah j'étais obligé de changer, ouais.
J'ai été obligé de changer parce que je ne sais pas où est l'autre. Alors, je me fais une petite plateforme. Surtout pas... Ça c'est pour redécoller après. Surtout pas tomber dans le vide. Mon stuff, j'ai toute ma vie. On rentre à la maison. C'est par là, je crois. C'est où? Par là, non? Évidemment, j'ai pas mis de marqueur. C'est par là, non? Et où? Secours, je suis perdu. C'est par là, je crois. Quoi, toutes ces entités là? Ok, c'est des blocs qui ont été cassés. Ok, il y a des trains ici.
ça c'est mon chemin. Je vais peut-être mettre un marqueur. Hein. Voilà. Pas le retrouver ce truc hein. Oh, 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 oh. Oh putain. Ça va. Donc, un marqueur, waypoint, new waypoint, nether, portail, compagnie, glace. Voilà. Je sais pas si ça a marché, c'est pas grave. On s'en va. Bon, on a la glowstone. En plus, on ramène un tas de merdasse. On a la glowstone. Il nous reste un peu de redstone. Donc, j'ai dit qu'il en fallait 8. J'ai dit qu'il en fallait 8. Caged. Ok, donc il nous faut du fer, j'en ai. Et il nous faut du colorant rouge. Putain, j'ai pas de colorant rouge. Ah si. C'est bon, j'en ai. Ah, j'en ai fait 40. Ah bah oui d'accord. Bon, on est large. On est large. Ok. Ok, donc tout ça pour ça, c'est parfait. Hop. Ah, c'est pas ça que je voulais. Je vais poser en même temps le ballast, le basalte et la blackstone. Je peux poser le courant noir. Le gyrodine, on va le ranger. Allez hop. C'est quoi bon visou? Tirer sur quelque chose avec une flèche. Ok. Alors. Les shafts et shafts, il m'en faut un stack, ça devrait suffire. Hop, rope pelé. J'ai pas vu comment il est, comme il en faut. Oh putain, ils font de la laine. J'ai plus dans des it casing. Et j'ai pas vu combien il m'en fallait.
Hop, il m'en faut 4, donc ça fait 8. 8. C'est parfait. Shaft, c'est fait. Smooth Grey Concrete. Smooth Grey Concrete, 32. Smooth Grey Concrete, 32. Smooth Grey Concrete, 32. Ah, et puis on a la machine qui produit du concrete là-bas qui est toujours en route. On va la couper. Ah non, elle était coupée. Bon, j'ai rien dit. Elle était déjà coupée. Hop. Bon, il m'en faudra beaucoup pour mes parties en item frame, en bois là. Donc je peux me permettre d'en faire des smooths. Voilà. On arrive à la fin de notre place dans l'inventaire. Neige, on s'en fout. Bouton en pierre, 12. Donc il m'en faut 24. 24. J'ai que ça. Sérieux? Hop, bouton en stone. Alors, Sturdy Sheet Slab, 18. Après, comme ça, il ne restera plus que le bois à faire, ça va. Donc, Sturdy Sheet Slab, c'est ça. Je sais plus ce qu'il nous faut pour ça. C'est peut-être là-dedans qu'on met ça. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, Augustin. Merci beaucoup d'être passé. Allez, il m'en fallait combien des Sturdy Sheet Slab? 18. Ah oui, on en a fait trop. C'est pas grave, il y en aura pour plus tard. C'est pas perdu. Ensuite, il nous faut des trains, je sais pas quoi là. Il nous faut 20 train buffers et 18 train casing. Train casing, 18. Ça, c'est pas un souci. Et train buffer, comment on le fait les train buffer? Il nous en faut 20. Ok. Il nous en faut 20. Bon, j'en ai fait 22. Et ben voilà. On a tout ce qu'il faut pour commencer. Donc on va aller... Enfin, pour commencer, non, en vrai. Parce que après, il va falloir qu'on... Après, il va falloir qu'on... On fasse tout ce qui est en bois, mais on va le faire. Hop, donc le schématique, on peut le garder. On va le poser. Ça, c'est dur à zéro, donc je pense qu'on va le jeter. Hein. Je sais pas si on peut le réparer. Hop, je jette. Ça, c'est create. On pose les bûches en épinette. On pose. On regarde ça là, on regarde ça là. Voilà. Donc ça, on va aller le poser. Et on va mettre à jour le bouquin. Et comme ça, après, on va pouvoir s'occuper de ce qui manque, qui est en bois. Et qui va être un peu plus chiant à crafter. Mais après, on sera bon pour faire le trincère. Ceci dit, j'aurais peut-être pu en faire plus. Parce que j'avais dit que j'en ferais 4 en tout, au moins. Mais bon, pour l'instant, on sait où en mettre 2. Mais on sait pas où en mettre 3, donc... Gentil d'ouvrir la porte pour nous, même si t'es complètement désynchronisé, c'est pas grave. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut alimenter avec les deux 10h30.
avec les deux coffres ici. Alors maintenant, si on met à jour le bouquin. Frame. Gazon et neige, mais ça on s'en fout. Donc après c'est bon, tout le reste on est good. Donc on n'a plus qu'à aller faire les frames. Oh, 173, la vache. On n'a plus qu'à aller faire les frames de bois. Mais comme il va nous falloir plein de bois. Ah putain, c'est du fir là-bas. Ouais, c'est pas du. On va aller couper quelques arbres par là. On a de quoi faire. Un plaisir. Allez. On va s'arrêter pour le carnage. Vous avez vu déjà tout ce qu'on récupère, on n'a rien de temps. Toutes les feuilles qui vont devoir des pop. Ah, je mange, j'ai faim. C'est génial. Tout ce qu'on a récupéré. Incroyable. Incroyable. Regardez mon arme. Regardez ça. Il pleut des bûches, quoi. Ça, c'est mon métier qui veut ça. Je peux ramasser les. Enfin, je peux couper les arbres facilement. Et là, ça nous est d'une grande utilité. De toute façon, tous ces armes-là, il faudra que je fasse disparaître et que je camoufle avec un terraforming un peu plus joli toute cette zone, quoi. Soit vraiment dans la compagnie des glaces, hein. C'est pas normal qu'il y ait autant d'arbres. Regardez-moi toutes les entités là sur la carte. Plein de bûches. Ça va faire beaucoup de bois pour tout raser quand même. Incroyable. Incroyable.
Tous les bois. Ah, j'ai pas manqué de bois là. Du coup, ce que je peux faire aussi tant que j'y suis. Tout péter les là pour récupérer des graines. J'en récupère pas tant que ça parce que il m'en faudra pour me faire les champs. Et puis là il faut que je les enlève pour que le jour où il neige ça soit recouvert de neige en fait. Les virer. Et eh ben voilà, t'es pas mal. Salut Baptiste, comment ça va? Enlever quelques arbres. J'avais besoin de bois, et puis du coup on commence à raser cette forêt là qui va disparaître pour que on puisse faire un petit terraforming type compagnie des glaces dans un futur pas trop lointain. Donc là ce soir, on est en train de crafter tout ce qu'il nous faut pour faire les wagons serres. Au moins, je sais pas si on, je pense pas qu'on aura le temps ce soir de recouvrir les. Je pense pas que ce soir on aura le temps
de recouvrir les items frame, enfin les frame panel là. Mais bon. Ça, on va le laisser, ça nous sera utile pour mettre du blé. Et le reste, on va le ramener. Hop. Et on va pouvoir aller crafter tout ce qui est en bois. Alors, bois, végétaux, tout ça, tout ça. Ah oui, on avait déjà des choses ici. Voilà, le sable, c'est ici. Et donc... ça sur nous. Puis je pense qu'il va nous falloir ça. Il va nous falloir ça. Ok. Allez, c'est là qu'on va attaquer dans le... Donc il nous faut des frame elevated slope slab. Frame. Elevated. Ça. Et donc pour faire ça... Il nous faut des ça et des ça. Et pour faire ça... On tourne en rond, donc il nous faut ça. Donc il nous faut ça, des frame cubes. Ok. Frame cube. Ok. Voilà. Hop. Ok, donc essaye de faire un peu tout ce qu'il nous faut, mais c'est pas évident.
en faut 64. Et moi j'ai dit qu'il nous en fallait 173. C'est fou qu'il nous en faille autant. Donc il faut qu'on en refasse. Bien fait d'aller chercher du bois. Donc donc 64 et 56. Maintenant il m'en faut 160, donc il m'en faut 3 stacks en fait. Il m'en faut 3 stacks, donc il m'en refaut encore. Ouais. Ça. Il m'en refaut. Ça. Et ben il m'en refaut. Un petit peu. Hop. Voilà. Ah, je devrais en avoir assez. Alors, on va peut-être mettre ça dans un coffre. On va peut-être mettre ça là. Hein. Donc, ça, c'est bon. Une seule serre. On en verra une seule ce soir, hein, et puis on fera la prochaine. Parce que là, 6 x 3, 18, ouais, c'est bon, alors là, c'est ce qu'il faut. Donc ensuite. Frame Extended Slope Panel. Frame Extended Slope Panel. Ça, il n'en faut pas tant que ça. Il en faut 8. Frame Extended Slope Panel. Ok, donc frame, c'est ça, Extended Slope Panel. Et il m'en faut 8. Donc en tout, si j'en fais 16, j'en ai assez. Que ça, il m'en faille autant. Donc ça, c'est bon. Ensuite, framed. Flat slope corner. Frame flat slope slap corner, c'est ça.
a dit qu'il en fallait combien? 4. Donc 8, ça devrait suffire pour 2. Non, j'en ai fait 12. Ok. Ensuite, framed glass, 47. Ah bah attends, frame glass par contre c'est pas framed en fait. Frame glass c'est ça. Hop, ça on peut la mettre directement là. Ok. Ensuite, framed inner prism corner. Framed inner framed corner. Frame inner corner slope. Framed inner prism. Attends, c'était quoi que j'avais dit? Frame inner prism corner. Frame inner prism corner. C'est ça qu'il me faut. J'ai pas regardé combien il en fallait. Il en faut 8. Il en faut 8. Et là j'en ai fait 10. Il m'en faudrait un peu plus pour en avoir le double. Hop. Voilà, normalement j'en ai assez. Ensuite. Frame panel 136, ça c'est logique, il m'en faille beaucoup. Donc, frame panel. Frame panel, c'est ça. Donc il m'en faut 100 et des boîtes. 120. Voilà, là, j'en ai assez pour les deux là. Hop, voilà. Frame prism corner, il m'en faut 10. Ce serait bien en fait. Allez, on va en faire un tout petit peu plus. Histoire d'être sûr. Ensuite. Frame slope, il m'en faut 64, donc deux stacks en tout. Framed slope. Donc deux stacks. Là j'en ai un stack. Hop, deux stacks. Très bien. Frame slope panel, il m'en faut 24, donc 48. Frame slope panel 48. Donc c'est bon.
Friend Slap Slab, 6, donc en tout il en faut 12. Donc maintenant on n'a plus qu'à test pour voir si on a bien tout. Let's go. Et si on a tout, on va lancer le canon. Ok Baptiste, à bientôt. On a deux coffres. Du coup, à part la neige et le canon, normalement il ne manque rien d'autre. La neige et le gazon, voilà, c'est bon, tout le reste on a ce qu'il faut. Donc du coup, on va pouvoir lancer la machine. Ready. J'espère que les trains vont bien se mettre. Oui, ils se mettent bien. Ils se mettent comme il faut. Parfait. Super. Et voilà, on a bien bossé ce soir et ça va se construire tout seul. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Après, il va falloir qu'on aille chercher tous les blocs pour peindre le wagon. Ça va être un peu long. Je sais pas si on va le faire ce soir vu l'heure qu'il est. On va agrandir la station par là, on n'aura pas trop le choix. Donc après, il va falloir qu'on terraforme ici, qu'on casse tout ça. Et par contre, là, ça, on va pas le casser, on s'en servira d'appui, on fera une sorte de grosse montagne, un décor de cinéma, je pense, un truc comme ça. Voilà. Aussi qu'on casse ça, là, pour que ce soit plus joli, plus... Voilà. On a beaucoup de travail. Hein. Je pense que sur Modécube, on fera qu'une seule
grosse station. Je pense pas qu'on aura le temps de faire une autre station. Mais déjà, celle-ci, elle sera cool. Kiff. Je trouve très jolie, moi. J'adore, même. Il va nous manquer quelques blocs pour faire le deuxième en fait. On va s'étendre par là. Il va faire nuit. Donc après, il va falloir qu'on passe là, ici, avec tous les blocs pour tout mettre. Ah, par contre, ouais, j'ai pas refait proprement les aiguillages ici. Ah bah tant pis, ça restera comme ça. C'est joli hein, quand même. Hein. C'est stylé même. Ah, je suis très très content. Donc après on pourra aménager un quai. Euh,
Alors, le quai ici sera pas très très large. Je pense qu'on aménagera un quai plus grand ici, quitte à péter cette ligne là, puisque de toute façon on va agrandir par là. Donc, par contre, ce qui va être compliqué à faire dans un avenir plus ou moins lointain, c'est le toit quoi. Ça va demander tellement de blocs. On a déjà consommé tellement de blocs pour faire cette verrière ici. Il va falloir qu'on travaille sur le mur ici. Donc la prochaine fois, ce sera mardi. Mardi soir, on peindra la serre et pendant qu'on construira l'autre, en fait. Comme ça, on gagnera du temps. Il a pas mis les portes. Il a pas mis les portes, il a pas mis les boutons. Tiens donc, c'est marrant ça, de les mettre plus tard, je sais pas. Au pire, s'il y a que ça, je les mets. Hein. Et on va pouvoir allumer en plus. Là, ça va falloir les remettre. Bon, je sais pas. Ça va falloir qu'on le retravaille pour que ce soit pas avec cette texture là. Qu'on puisse voir à l'intérieur et qu'on mette un peu de liquide, je pense. Donc là, on mettra quand même peut-être un petit quai ici, je sais pas, on va voir. Mais pas sûr. Bonne nuit, Baldridé. Pourquoi il en manque ici? C'est peut-être juste graphique. Pourquoi il y a des trous?
Bizarre ça, pourquoi il y a des trous? Et what? Ah, il m'a mis les portes. Il en manque? Ça c'est bizarre, j'espère qu'il n'y a pas de trou ailleurs. Un petit schématique de niche. Oui, il y en avait deux. Là, je comprends pas pourquoi il en manque des. Ah, je peux pas mettre d'échelle. Sérieux? Bon, pour l'instant, on va faire ça comme ça, c'est du provisoire. Et ouais, pourquoi il... En même temps, j'en aurais jamais eu assez. Je regarde les FPS, ça va à peu près. Mais ouais. Peut-être pas devoir en mettre trop quand même, hein. Donc il manque plein de trucs, mais voilà. Mais alors ouais, pourquoi il en manque là? Alors là, j'ai aucune idée. Ah, j'ai pas mis les bons. Pourquoi il y a des trous comme ça? C'est bizarre, le feu il fait pas de fumée. Bon, on va aller rechercher ce qui nous manque. Là aussi. Oh, pas sûr que ce soit ça ici. La porte. Ok. Ah oui, tiens, je peux allumer les lumières. Hop. Allumons les lumières. Voilà. Bon, allons chercher ce qui nous manque. Des blacks auriculaires et metal slapper qui manque.
On va quand même finir juste ça, hein, faut pas déconner. Donc Black Corrugated. Merde. Hop. J'en ai, hein. Voilà. De toute façon, il m'en faudra en plus pour... pour faire le deuxième. Qu'on se fasse un jetpack un de ces jours parce que c'est un peu pénible de pas pouvoir voler. Ah d'accord. C'était mis en fait, c'était juste un problème graphique. C'était bien mis. Ah bah je préfère. Ok, c'était bien mis. Pourquoi il fait pas de fumée lui? Voilà, il fait de la fumée. Hop. Mieux. Voilà. Et ben impeccable. Ah, j'ai pas pris la clé de create. Ce qui va être rigolo, c'est de voir les deux à côté alors qu'ils n'ont pas du tout la même taille. Je pense par là. Ouais, c'est bon. Ça bug le freecam avec ça. Ah, c'est sympa. On a vraiment le petit train et le gros train côte à côte. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
C'est pour ça que là, je pense qu'on fera un tout petit quai. Et là, on fera un gros quai pour les gros trucs comme ça. Vraiment, on a un... Ah ouais, c'est sympa. On n'a vraiment pas la même échelle. Ah, je suis très content. On n'a vraiment pas la même échelle. C'est ce que je voulais donner. Hein. Des trains qui ont des échelles différentes. Je vais vite fait chercher le... Et quelle heure? Oh purée, faut que j'arrête. Hop. Ah, je suis très très content. J'espère que ça vous plaît aussi. Hein. Donc on va prendre ça et on va prendre aussi voilà, deux chaudières. Ou peut-être juste une. Une ça suffira. Hop, voilà. Ah voilà, il me semble bien qu'on avait un truc de 3. Voilà. Là, c'est pas gênant, on va laisser comme ça. Voilà, et on va mettre un tout petit peu d'eau. Un peu par... Ah. Si je veux mettre de l'eau dedans, faut que j'amène un truc, un sploot ou je sais pas quoi. Ok, bon bah ça on fera ça plus tard. J'ai pas pris de ouf, donc on plantera les graines aussi plus tard. Ah c'est stylé. On a bien tous les petits boutons. Ah non, c'est très très cool. Bah si, ce qu'on peut faire, c'est allumer les petites lampes rouges. Hop. Et voilà. Et oh là là là, avec notre loco à nous à côté, c'est trop bien. Et encore, c'est pas fini. Hein. Par contre, waouh. Pourquoi je la perds? Et ça file vraiment pas loin l'entité. Hein. C'est un peu bizarre ça. Est-ce que c'est dans les options graphiques? Distance de simulation.
Ouais, c'est bizarre ça qu'ils disparaissent autant. J'avais pas souvenir qu'ils disparaissaient aussi vite. En plus, c'est pas le cas des portes. Ah mais les portes elles sont. Ouais, elles sont fixes en fait. J'avais pas souvenir que ça disparaissait aussi vite. Après, je pourrais mettre une station ici pour le garer en mode non-entité, quoi. Bon allez les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que ça vous a plu. Attendez, on va quand même, je vais quand même faire un petit dodo parce que sinon ça va être la folie. Normalement on est dimanche, je pense que si Wotan qui est sur le serveur est en train de stream, on va faire un petit raid pour Wotan. Retournons sur Twitch. Voyons voir ça. Il est bien en train de stream. Bon, bah, c'est parfait. Du coup, on va faire un petit raid chez de Wharton. Et voilà, du coup, belle petite avancée. Oh que oui, oh, je suis très très content. Du coup, on se retrouve donc demain soir sur KSP2. On continuera notre exploration de Minmus. Et retour sur Modicus, ce sera mardi soir pour continuer ce wagon-serre. Bonne nuit à tous et à très bientôt. Ciao ciao. Et merci beaucoup, merci énormément.